Il y a une question qui revient assez souvent parmi les commentaires que vous me laissez, c'est savoir combien ça touche un prêtre. Et bien, la réponse elle est assez simple, c'est 950 euros et puis en plus on a souvent la chance de pouvoir être logé en plus. Mais il y a un truc dont on parle pas assez dans l'église. Regardez, on est la veille du réveillon de Noël et constatez un peu tout ce que les gens ils m'ont déjà offert. C'est hallucinant. Regardez comme ils sont trop généreux les gens. Non mais faut qu'on en parle de cette corruption des curés. Toutes ces bonnes âmes qui, à base de confiture maison et de pâté tout frais de sanglier chassé, eh ben, cherchent à corrompre leurs prêtres. Soyons clairement honnêtes, vous les gens, vous êtes vraiment trop généreux avec nous les prêtres. Et si cette année, dans ce Noël 2020 si contraint, eh ben je vous proposais un truc, c'est imaginons que vous aviez l'idée d'offrir un petit truc à votre curé, eh ben si vous l'offriez à une personne qui en a vraiment besoin, à une personne qui pendant cette année 2020 vraiment souffre, et clairement, enfin, ouais, proposition, comme ça, allez soyons fous, c'est Noël.